Depuis quelque temps, Citroën tente de changer son image. La DS3 en est la preuve et le résultat est plutôt convaincant. Cette C3 coupée se distingue par une face avant agressive dotée de feux diurnes à LED. Le dessin du profil est particulièrement musclé. Ainsi, la DS3 peut aller chasser sur les terres de la Mini ou de l'Alfa Romeo Mito. Le 1 litre 6 THP de 150 chevaux est pour le moment le plus puissant des moteurs essence disponibles. Ce dernier est vraiment convaincant à tout point de vue. Il est en effet disponible à bas régime et rageur lorsqu'on le sollicite, et en plus, sa sonorité ne laisse pas indifférent. La conso reste modérée puisque cette bombinette autorise une moyenne de 8,7 litres au 100 km en cycle mixte. La DS3 possède incontestablement des gènes de sportive, cela se ressent à son volant. L'auto est dynamique et efficace sans pour autant négliger le confort des occupants. Autre grosse surprise, la position de conduite. Le conducteur est bien calé dans les sièges et la prise en main du volant à méplat est une réussite. La commande de boîte à 6 rapports, quant à elle, est précise et douce à manier. Seule ombre au tableau, des plastiques durs et parfois mal ajustés. La finition sport chic propose entre autres la clim auto et les sièges sport pour les équipements intérieurs, ou encore les jantes en 17 pouces et un béquet sport pour l'extérieur. Les places arrière peuvent accueillir 3 personnes, mais honnêtement, mieux vaut voyager à 2. L'espace en largeur y est trop exigu et la garde au toit limitée. Le volume de coffre n'est pas plus généreux. Pour l'augmenter, la banquette sera bas, mais pas les assises. Les tarifs varient de 15 400 € à 20 000 € pour les versions essence et de 18 900 € à 21 200 € pour les diesels.